César, Valérie Le Mercier grimpe dans la hiérarchie et devient présidente. Après en avoir été trois fois la maîtresse de cérémonie, c'est dans le fauteuil de présidente que Valérie Le Mercier participera à la 49e édition des Césars du Cinéma en février prochain. Promotion méritée. L'actrice et réalisatrice française Valérie Lemercier, qui a été à trois reprises maîtresse de cérémonie des César du cinéma, sera cette fois la présidente de leur 49e édition, le 23 février 2024 à l'Olympia à Paris, ont annoncé, ce lundi, les organisateurs. Valérie Lemercier, aujourd'hui âgée de 59 ans, avait été l'animatrice de la soirée de la remise de prix du cinéma français en 2006, 2007 et 2010, aux côtés de Gad Elmaleh. En tant que présidente, elle va succéder à l'acteur Tahar Rahim, qui a occupé ce rôle surtout honorifique durant l'édition 2023. Valérie Lemercier est une figure indissociable du cinéma. Lauréate de Trois Césars et de Trois Molières, Valérie Lemercier est une figure indissociable du cinéma, du théâtre et de la télévision, mais aussi de l'histoire des Césars, ont estimé dans un communiqué commun l'Académie des Césars et la chaîne de télévision Canal+, qui les diffuse. Valérie Le Mercier a été découverte par le public en 1988 dans la série télévisée humoristique Palace. Elle a remporté en 1994 son premier César, celui de la meilleure actrice dans un second rôle, pour la comédie culte Les visiteurs de Jean-Marie Poiret. Elle a ensuite décroché le même César en 2007 pour le film Fauteuil d'orchestre, réalisé par Daniel Thompson. Enfin, elle a remporté celui de la meilleure actrice, en 2022, pour son sixième film en tant que réalisatrice, Aline, inspirée de la vie de la chanteuse Céline Dion.